Elle s'appelle Marine Seigneur. Sa passion, la peinture, acrylique ou aquarelle. Particularité, au dernier Mesty de Lampertheim, elle a remporté le prix du public à l'exposition des artistes locaux. Il y avait pas mal d'artistes et puis il y avait des choses vraiment magnifiques et c'était très varié. Il y avait plusieurs types d'art, il y avait de la sculpture aussi par exemple et c'est vrai que je ne m'y attendais pas du tout, c'était vraiment une très belle surprise. Marine a commencé la peinture toute petite avec sa grand-mère, le début d'un lien très fort, d'une relation artistique entre la petite fille et sa mamie. Elle m'a tout appris, elle m'a appris plein de techniques différentes, l'aquarelle, l'acrylique, et c'est grâce à elle en fait qu'aujourd'hui je sais peindre comme ça. Trois jeunes filles qui marchent dans la prairie, c'est le tableau qui a beaucoup plu à l'exposition des artistes locaux. Il y a aussi cette prouesse réalisée par Marine, une reproduction de la nuit étoilée de Van Gogh. Le dessin de base n'est pas très compliqué, ça va. Mais c'est surtout l'élément le plus dur, c'est le ciel, parce qu'il y a plein de petits détails et puis il faut y aller vraiment morceau par morceau. Je l'ai peint au doigt et ça m'a pris un temps dingue en fait. La peinture, ça représente... d'abord une passion et puis c'est aussi un moyen d'exprimer sa créativité et puis un peu sa personnalité aussi. Quand j'ai du temps libre, c'est vrai que j'aime bien peindre après un besoin vital. Peut-être pas, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ça m'aide parfois à me détendre et après avoir peint quelque chose, après avoir créé quelque chose, il y a quand même un sentiment de fierté. C'est plutôt bien, oui. Après le Mesty, plusieurs personnes ont passé commande. Une petite notoriété grandissante pour la Lampertheimoise. À 17 ans, Marine Seigneur se concentre surtout sur son bac S et ses futures études de médecine. Marine Seigneur, artiste peintre, une nouvelle belle rencontre à Lampertheim.